quel privilège, quel honneur pour moi ce matin d'apporter la parole au 40e anniversaire de notre Église. Il y a 40 ans, en 1976, dans ce bâtiment, commençait l'Église évangélique de la Rive-Nord, qui va devenir l'Église Le Portail. En 1976, Pasteur Sam, à Deux-Montagnes, il y avait environ une douzaine de personnes, ça se faisait en anglais, et le titre de son message, son premier message, c'était « L'Arche de Noé pour notre temps ». Et c'était sur le bord d'un lac, et il y avait eu une inondation. Et pour aller à l'église, on dit aller en barque, avec une barque. Donc, c'était vraiment prophétique. Mais quelle joie de célébrer 40 ans, très peu d'églises. Et moi, je pense que ça mérite une main d'acclamation pour le Seigneur, pour sa fidélité. On a un beau week-end de planifié hier, c'était le brunch des bâtisseurs avec tous nos membres depuis 20 ans et plus. On a honoré Pasteur Sam. Ce soir, on veut célébrer l'histoire, célébrer le passé. Donc, on vous invite, chaque personne qui est ici ce matin, on vous invite ce soir à 18h, ça commence par un cocktail, bouché. À 19h, on a une belle réunion de planifié. Stéphane Kiri, qui était longtemps le directeur de louange ici à l'Église évangélique de la Rive-Nord, va nous conduire dans la louange. Et si vous pensez que ce matin, il y avait une touche rétro, ce soir, vous allez être gâtés. Ce soir, vous allez être gâtés, donc, ouais. Je sais que vous applaudissez par politesse parce que vous n'aimez pas ça, ces vieux chants-là, et vous allez venir vous sacrifier. Merci de venir vous sacrifier ce soir. Il va y avoir des témoignages. Pasteur Sam va être là. On va procéder au lancement de sa biographie qui a été écrite par Isabelle Cardinal. Isabelle qui joue du piano ici. Donc, on va faire le lancement de la biographie, de l'histoire de Pasteur Sam, une portion de l'histoire de notre Église. Ce soir, un mot de Pasteur Marc Lecomte, Pasteur Claude Doud. En tout cas, on vous a préparé de belles choses, des surprises. Quelles sont ceux? Dis à la personne à côté de toi, ça vaut la peine que tu sois là ce soir. Et si ce soir, on célèbre le passé, l'histoire, ce matin, dans ce beau week-end, nous voulons célébrer le présent, nous voulons anticiper l'avenir. Et ce matin, c'est simple, cette semaine, je réfléchissais et je priais, je me disais, Seigneur, c'est quoi la parole de Dieu pour notre Église après 40 ans d'existence? Vous savez, à chaque matin, quand tu es pasteur, tu crois que Dieu te donne une parole, tu as une parole pour le peuple de Dieu. Et en ce 40e, quelle est la parole de Dieu pour notre Église? Et si tu as une Bible, tu peux tourner avec moi dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament. Et alors que notre tribu a 40 ans d'existence, on a parlé de devient, de défend. Ce matin, c'est déploie ta tribu. Déploie ta tribu. La semaine prochaine, Terrebonne, on est content de vous avoir à Laval ce matin. Vous allez entendre le message de défendre ta tribu. On a commencé par devient un homme et une femme de tribu. Maintenant, ce matin, je crois que Dieu nous appelle à déployer notre tribu. Donc, Nombre 32, versets 1 à 5, pour vous mettre en contexte, Dieu se forme un peuple qui va s'appeler Israël. Il l'amène. Il le sort d'Égypte. Ce peuple-là est esclave. Il le sort d'Égypte et pendant 40 ans, ce peuple va être formé dans le désert. Et alors qu'il s'apprête à entrer dans la terre promise, ils sont en Transjordanie, c'est-à-dire du côté est du Jourdain. Il y a le Jourdain qui est la frontière. Et lorsqu'ils traversent le Jourdain, ils entrent dans la terre promise. Et il y a une belle image de l'Église où, encore une fois, Jésus nous a sortis de l'esclavage. Il a pardonné nos péchés. Est-ce que quelqu'un peut dire ici, Jésus m'a libéré? Il nous a libérés, il a fait de nous un peuple. On n'est pas seulement des chrétiens, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et non seulement il a un plan pour nos vies, il a un plan pour notre Église. Et on va voir deux tribus, la tribu de Ruben et de Gad, qui vont faire une demande particulière, versets 1 à 5. Donc, les fils, la tribu de Ruben et les fils de Gad, avaient de grands troupeaux, des troupeaux considérables. Ils virent que le pays de Yazer et le Galaad étaient propices à l'élevage. Alors, les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent dire à Moïse, à Éléazar, le prêtre et au prince de la communauté, tout ce pays que le Seigneur a mis à mal devant la communauté d'Israël est un pays propice à l'élevage. Or, nous avons des troupeaux. Ils dirent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, donne-nous ce pays comme propriété, ne nous fais pas passer le Jourdain. On voit là-dedans le plus grand piège qui guette le croyant après plusieurs années de marche avec le Seigneur, le plus grand piège qui guette l'Église de Jésus-Christ. Quel est le plus grand piège qui nous guette après 40 ans? C'est le piège dans lequel est tombée la tribu de Gad et de Ruben. Quel est le plus grand piège qui nous guette après 40 ans? C'est de rester dans notre zone de confort. De rester dans notre zone de confort. Ces hommes et ces femmes sont en Transjordanie. Il y a le Jourdain. De l'autre côté, il y a la terre promise. Ils sont là.
Mais c'est un lieu agréable, c'est un lieu confortable, c'est un lieu où tu peux bâtir, c'est un lieu où tu es béni, c'est un lieu où les combats sont terminés, c'est un lieu de repos. Et le réflexe du peuple de Dieu, c'est de dire, on veut rester ici. Et on parle beaucoup, je sais que plusieurs pasteurs, on entend même des conférences séculières sur la zone de confort. Et je vais t'expliquer un peu c'est quoi la zone de confort, la vraie définition. La zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise, en contrôle, dans un environnement familier et expérimente un faible niveau d'anxiété, de stress et de risque. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime la zone de confort. Et quelquefois, c'est correct une zone de confort. Dernièrement, on revient à la maison, la belle-mère était là avec les enfants, puis ma femme avait fait du lavage, puis la belle-mère a décidé de se rendre utile et elle a décidé de plier le linge. Mais elle a plié mes sous-vêtements. Je veux garder ma zone de confort. J'ai mon niveau d'anxiété qui a monté. Quand tu sais que ta belle-mère a mis ses doigts sur tes petites culottes, tu ne te sens pas à l'aise. Et chacun d'entre nous, ce matin, on est dans une zone de contrôle. OK, ce matin, tu t'es levé, il n'y a personne ce matin qui s'est dit « Aujourd'hui, c'est le 40e, je mange pour déjeuner quelque chose de différent, des palourdes. » Quels sont ceux ce matin qui ont mangé une toast? Lève la main. Ou des céréales, lève la main. OK, on pourrait faire un sondage, puis la majorité d'entre nous, tu as mangé une toast au beurre de pinot comme tu manges à toutes les dimanches. OK, les femmes, quand vous vous maquillez, vous commencez toujours par le même côté? Est-ce qu'une femme qui dit « Aujourd'hui, je me sens wild, je commence par l'œil droit. » Les gars, lorsque vous vous rasez toujours le même côté, vous venez à l'église, vous cherchez une place de stationnement à peu près à la même place. Ce matin, vous êtes assis à la même place. Je vous dis, je connais mon église, je peux fermer mes yeux et je peux dire qui est où. Pourquoi? Parce qu'on aime la zone de confort. Il n'y a personne qui rentre à l'église et qui dit ce matin, je vais vivre dangereusement, je vais m'asseoir dans une autre section au nom de Jésus. Non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Et ça reflète ce que nous vivons spirituellement. On est dans une zone de confort. Et le problème de la zone de confort, veux-tu que je te dise, c'est quoi? C'est très humain. Mais le problème, c'est que la Bible dit que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Amen? Mais est-ce que tu sais c'est quoi la foi? La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, l'assurance de celles qu'on espère. La foi, quand tu marches par la foi, tu n'es pas en contrôle. Marcher par la foi, tu n'es pas dans un environnement familier, tu n'es pas à l'aise. Marcher par la foi augmente ton niveau d'anxiété. Est-ce que tu crois toujours qu'il faut sortir de notre zone de confort? Est-ce que tu crois toujours qu'il faut sortir de notre zone de confort? OK, on va faire quelque chose ce matin. Nous allons changer le monde au nom de Jésus. Hey, on ne va pas changer de place. Oh oui. On va faire quelque chose ce matin. Je te demande de te lever et d'aller dans une autre section. Je sais que ça prend de la foi, ça prend du courage, mais le Seigneur est avec toi. OK, je te demande une faveur. On ne peut pas prétendre qu'on va changer le monde si on n'est pas capable de changer de place ce matin. Donc, change de section. Si tu es à l'arrière, avance. Si tu es en avant, recule. Wow! OK. Oui. Tu vas t'asseoir là, OK. OK, j'avoue. C'est la dernière fois qu'on invite Terrebonne avec nous.
Ouais, je pourrais aller en haut, mais ça va sortir de ma zone de confort, mais en même temps, ça va être tellement loin, donc j'ai pas le choix. Il y a des gens qui disent « Tu devrais changer de place, je peux aller prêcher en arrière, mais ça va être moins le fun, OK? » Mais la réalité, ton environnement, c'est moins familier. Puis il y a des gens, là, tu as regardé, tu as changé de place, mais tu as fait trois pas, tu t'es dépêché d'aller t'asseoir exactement à la même place dans l'autre rangée, je t'ai vu. Mais c'est correct, tu t'étires. Mais ton niveau, c'est drôle, c'est bizarre, mais ton niveau d'anxiété a augmenté. Je t'ai vu, lorsque j'ai dit on va changer de place, j'ai vu la panique dans tes yeux. Et là, tu t'as changé de place, habituellement, tu sais que toujours en diagonale, t'as ton ami, puis là, t'es comme... Il s'est passé quoi? OK, ça demandait un peu d'effort, mais t'as une nouvelle perspective. Tu vois les choses différemment. Tu les vois différemment. Il y a des gens, là, c'est la première fois que tu t'assois là depuis 20 ans. Tu vis un réveil. Parce que lorsqu'on change de place, on doit s'adapter. Quand on s'adapte, on évolue, on grandit, on progresse. Et ça, c'est la vie chrétienne. Jésus veut t'emmener hors de ta zone de confort dans ton quotidien. C'est vrai pour notre Église. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'adaptes, tu grandis. Et ces hommes-là ne l'avaient pas compris. Regardez ce que Moïse va dire. Moïse dit aux fils de Gad, aux fils de Ruben, « Vos frères iraient à la guerre et vous, vous resteriez ici. Il y a un pays à conquérir. Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de passer dans le pays que le Seigneur leur donne? » Deuxième point, Église. La terre promise n'est jamais dans la zone de confort. La grande bénédiction de Dieu pour ta vie n'est jamais dans ta zone de confort. Dieu veut que tu passes de la zone de confort à la zone de confiance. C'est la marche par la foi, c'est vrai pour les églises. Si tes rêves sont dans ta zone de confort, ce n'est pas des rêves, c'est la réalité. Dieu ne se manifeste pas dans la zone de confort, Dieu se manifeste dans la zone de confiance. Et souvent, on veut être, vous savez, il y a une bibliothèque à la frontière entre les États-Unis et le Canada, et il y a des gens qui vont dans cette bibliothèque-là pour se mettre à cheval sur la frontière pour dire « je suis dans deux zones en même temps ». Et souvent, les chrétiens, on veut être dans une certaine zone de confiance et marcher un peu par la foi. Non, Dieu t'appelle à quitter ta zone de confort pour marcher, entrer dans la zone de confiance. C'est vrai, ces hommes-là devaient comprendre. Ils disaient « on ne veut pas passer le Jourdain ». Oui. Pourquoi? Écoute-moi bien. Parce que la terre promise, la bénédiction, le plan de Dieu pour ta vie va te rendre inconfortable. Si tu fais quelque chose pour Jésus et que tu es inconfortable, bravo, c'est probablement le Saint-Esprit qui confirme que c'est la volonté de Dieu. Vous savez, c'est comme les piscines. Je l'ai déjà dit, chacun d'entre nous, du moins plusieurs personnes ici, comme des bons banlieusards, on a des piscines. Et lorsque tu entres dans ta piscine, OK, nous autres, ma femme, quand ma femme dit « OK, je m'en vais me baigner », on sait qu'on en a pour une heure. Parce qu'elle descend progressivement. Je vous le dis, ça prend du temps. Mais avez-vous remarqué, souvent, ça nous prend du temps à embarquer dans l'eau. Puis là, c'est long, c'est inconfortable, c'est froid. Puis finalement, on passe la journée dans la piscine. Pourquoi? Parce qu'on a compris à un moment donné, tu fais un pas, tu t'adaptes et tout à coup, tu vis la bénédiction. Souvent, toi, Dieu va te demander de faire quelque chose, ça fait peur, mais lorsque tu le fais, tu t'adaptes et tout à coup, tu vis la bénédiction et tu réalises. Quand je parle de quitter sa zone de confort, chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous, la chair dit non, mais le Saint-Esprit crie oui. Parce que chaque chose que Dieu te demande de faire, ça te fait perdre ton contrôle, tu n'es pas à l'aise, mais c'est la plus grande des bénédictions. La première fois que j'ai rentré dans une église comme celle-ci, je n'étais pas à l'aise. De voir des gens qui nous levaient les mains. Moi, ce qui m'avait traumatisé, c'était j'étais habitué dans les églises d'avoir des bancs en bois, d'avoir des chaises. Je trouvais ça tellement pas religieux. Je trouvais que ça manquait tellement de respect. Lorsque le pasteur a fait un appel, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, qu'il avance. Puis moi, avant d'entrer à l'église, j'avais fumé un gros joint. C'est vrai. OK, puis là, des gens disent, c'est pour ça que tu as accepté le Seigneur. Oui, mais ça fait 20 ans. Et lorsque je me suis levé pour avancer, j'étais vraiment pas dans ma zone de confort, mais ça a valu la peine. Lorsque j'ai senti l'appel de Dieu sur ma vie et que j'ai parlé avec quelqu'un, une colonne dans mon église, puis il m'a dit, il faut aller voir le pasteur, je me rappellerai toujours lorsque je me suis présenté dans le bureau de mon pasteur, que je respectais, que je considérais comme un homme de Dieu. Moi, j'étais rien. Et lorsque je lui ai dit, pasteur, je me sens appelé à prêcher la parole. J'avais honte, j'avais le syndrome de l'imposteur. J'étais inconfortable, mais il fallait que je le fasse.
Fallait que j'assume mon appel. Lorsque j'ai dévoilé mon amour à ma femme, je l'ai déjà raconté, j'étais pas confortable, mais ça valait la peine. Lorsque j'ai implanté une église, puis j'ai quitté une église, j'ai quitté un poste, j'avais un poste à temps plein, puis j'ai implanté une église pour marcher par la foi, c'est inconfortable, mais ça valait la peine. Lorsque 8 ans et demi, on a ressenti l'appel à venir ici, je vous dis, c'était très, très, très inconfortable, mais ça valait la peine. Et à chaque fois dans cette église, lorsqu'on est passé à 2 réunions, lorsqu'on a commencé Terrebonne, lorsqu'on fait des pas de foi, ce n'est jamais confortable, mais si tu crois que ça vaut toujours la peine avec le Seigneur, dis un grand amen ce matin. Verset 8. C'est là ce qu'ont fait vos pères quand je les envoyais de Kadesh-Barnéa pour examiner le pays. Donc Moïse leur rappelle, vous tombez dans le piège que d'autres ont tombé avant vous. Ils sont montés jusqu'à l'ouest d'Escol et après avoir examiné le pays, ils ont découragé les Israélites pour qu'ils n'entrent pas dans le pays que le Seigneur leur donnait. Le Seigneur s'est mis en colère contre Israël. Il les a fait errer dans le désert pendant 40 ans. OK. On célèbre 40 ans. Il y a différentes personnes qui ont différentes perspectives sur ce 40e. Je veux juste dire, du fond, du plus profond de mon cœur, pour Dieu, 40 ans n'est pas un couronnement, 40 ans est un fondement. Je le répète, s'il y a une parole de Dieu ce matin pour l'Église, 40 ans n'est pas un couronnement, c'est un fondement. 40 ans, c'est pas la fin, c'est un tremplin. Hier, alors que je voyais, puis on avait le brunch des bâtisseurs, puis... C'était drôle parce que les gens s'assoyaient ensemble, puis souvent, c'était par année, je leur demandais depuis combien d'années vous êtes au Seigneur, depuis combien de temps, c'est quand vous avez commencé à fréquenter l'Église, puis tu avais la table des années 85, tu avais la table des années 77, puis on dirait qu'il y avait comme quelque chose, les mêmes années, les gens se regroupaient de manière comme ça, et lorsque je posais des questions, les témoignages, voici, on était à tel endroit, je me souviens lorsqu'on a commencé, la petite église à Saint-Eustache, puis je me souviens après ça, on était au Montmorency, puis je me souviens à Crestview, c'était la gloire de Dieu, puis après ça, on était à la Western Laval, puis après ça, on était à Cabane à sucre, là, évidemment, la chronologie, là, je me tombe peut-être d'un endroit ou deux, puis on voyait la gloire de Dieu, puis à un moment donné, on s'est réunis dans un cinéma pornographique, oui, t'as bien entendu. Et on voyait la gloire de Dieu dans le cinéma porno, dis Alléluia! Oh, t'as pas l'air convaincu! Et tous ces anciens qui ont vécu les étapes, puis évidemment, ces gens-là qui ont donné pendant des années. Puis vous savez, c'est quoi le problème souvent? C'est que tes gens les plus fidèles, c'est ceux que tu leur donnes le moins d'attention parce que c'est ceux qui causent le moins de troubles. C'est ceux qui donnent, qui travaillent, qui sont là depuis des années dans l'ombre sans que ça paraisse, mais qui fait que ce matin, nous, on peut être là et célébrer Jésus. Et ces gens-là, 40e, c'est comme, bon travail. Mais quand on regarde à l'Église de Jésus-Christ, à toi qui m'entends ce matin, on n'est pas là pour se péter les bretelles ce matin, c'est de nous dire, Seigneur, ce 40 ans, j'espère que tu es d'accord avec moi, ce n'est pas un couronnement, c'est un fondement, c'est le début de quelque chose. Puis on regarde 40 ans, les gens disent, c'est vieux 40 ans, moi je trouve ça très jeune. Moi je trouve 40 ans, c'est un bel âge, tu es encore en forme, tu as ton maximum dans la vie. Maintenant, les gens disent 40 ans, c'est vieux. On peut avoir une impression qu'une église de 40 ans, il se passe quoi après? Est-ce que vous savez, c'est scientifique ce que je vais te dire? On a fait un sondage, on a fait des études pour déterminer quel âge ont en moyenne les églises d'impact en Amérique du Nord. Évidemment, ce n'est pas une doctrine, là, c'est une règle générale. Une église, tu peux avoir une vieille église qui ne se renouvelle pas, qui va mourir, Dieu va la faire mourir. Dieu est pas, Dieu dit pas, je vais regarder cette église-là, il va en faire une autre. Il y a des jeunes églises d'impact, puis il y a de vieilles églises d'impact. Et l'important, ce n'est pas quel âge que tu as, c'est ce que tu fais avec ce que le Seigneur met en tes mains. Mais la moyenne d'âge, la moyenne pour les églises d'impact en Amérique du Nord, vous savez c'est quoi? C'est 40 ans et plus. On peut mettre l'image ici, s'il vous plaît. Les plus grandes églises ont en moyenne 47 ans en Amérique du Nord, et les églises qui grandissent le plus rapidement ont en moyenne 42 ans. Dis à quelqu'un à côté de toi, le meilleur est à venir. OK, là, tu t'es réchauffé. Dis-le, de l'autre côté, le meilleur est à venir au nom de Jésus. Si tu crois que le meilleur est derrière toi, tu as un problème parce que Jésus n'a pas dit, j'ai bâti mon église, je bâtissais mon église, je bâtissais mon église. Jésus a dit, je bâtirai mon église parce que le meilleur est toujours devant par le Seigneur Jésus. Verset 16. Maintenant, ils vont réagir. Ils vont comprendre. C'est cette tribu-là va réaliser le message, la parole de Dieu de Moïse. Ils s'approchèrent de lui et dirent, « Nous bâtirons ici des enclos pour notre petit bétail et des villes pour nos familles.
puis nous prendrons aussitôt les armes à la tête des Israélites jusqu'à ce que nous ayons amené dans leur lieu. Nos familles habiteront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne rentrerons pas chez nous tant que les Israélites n'auront pas reçu chacun son patrimoine. L'église de Portail ne rentre pas chez elle tant que le Québec, tant qu'il y aura encore l'œuvre de Dieu à faire au Québec. Nous n'aurons pas de part à leur patrimoine au-delà du Jourdain puisque nous aurons notre patrimoine en Transjordanie à l'Est. Voici mon point. Quatrième clair tenait ce matin. Les vrais chrétiens ne sont pas motivés par le confort, mais par le besoin. Les vrais chrétiens ne sont pas motivés. Je parle des vrais chrétiens, parce que c'est eux qui bâtissent l'Église. Je m'adresse à ceux qui veulent être des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens ne sont pas motivés par le confort, mais par les besoins. Si tu me donnes le choix, tu me dis, Gaétan, tu as deux choix. Tu as une piscine dont l'eau est à 60 degrés. Et tu as un spa dont l'eau est à 90 degrés. Je te donne le choix de choisir où tu veux œuvrer. Mon ami, hallelujah pour le spa. Moi, je vais dans le spa. Pourquoi? Parce que le spa, c'est confortable. Mais sais-tu quoi? Si tu me donnes le même choix, tu me dis, il y a de l'eau à 90 et il y a de l'eau à 60. Mais il y a quelqu'un dans la piscine qui est en train de se noyer. Mon ami, je te garantis que je saute dans la piscine à 60. Pourquoi? Parce que ma motivation première n'est pas le confort, c'est le besoin. La motivation première de l'Église devrait toujours être les besoins, pas le confort. C'est vraiment, vraiment important. Vous savez, un exemple que j'ai donné, une illustration, une anecdote que j'ai racontée lorsque j'étais à Terrebonne la dernière fois. À un moment donné, je suis avec des amis, puis une super belle fille, je la regardais, puis elle m'intéressait, puis... Était l'off-guard. Wow! Fait que là, elle me dit, on traverse, est-ce qu'on traverse le lac? Moi, je suis un très mauvais nageur. Vraiment. Mais elle, c'est vraiment une très belle fille. Donc, ça fait un peu loser de dire, non, je ne suis pas bon nageur, la fille est l'off-guard. Ben oui, on va traverser le lac ensemble. Babe. On nage? À un moment donné, je vous le dis, mauvais nageur. Je commence à faiblir. Et là, je commence à avaler de l'eau. Là, je dis, j'ai pas le choix, OK, je pourrais continuer à être orgueilleux, mais quelqu'un d'orgueilleux, mort, ça sert à rien. Donc, je vais me noyer. Puis là, elle est là comme, calme-toi, calme-toi, nage vers moi. Puis là, moi, je commence à paniquer. Parce que je. Viens me chercher! Viens me chercher! Là, elle dit, calme-toi. Puis là, elle en nage sur le dos. Viens avec moi. Moi, dans ma tête, il se passe toutes sortes de choses. OK? Finalement, de peine et de misère, j'arrive l'autre côté. Puis là, je dis, pourquoi tu n'es pas venu m'aider? Tu es lifeguard. Elle dit, la première chose qu'on nous apprend quand on est lifeguard, si quelqu'un se noie, il panique, tu ne vas pas le toucher parce qu'il va te faire couler avec lui. Où t'as suivi tes cours? Et ça, c'est l'image de beaucoup de chrétiens. On est des lifeguards, nous avons été sauvés. Je veux juste te dire pourquoi Jésus t'a sauvé. Jésus t'a sauvé pour sauver des gens. Jésus t'a pas sauvé pour tes beaux yeux. Jésus t'a sauvé pour faire l'œuvre de Dieu au travers toi pour sauver des gens. Puis la réalité, c'est que les chrétiens, on l'oublie, on est un peu comme elle. C'est comme, ben oui, on est tous pour la cause. On est, vous savez, les chrétiens, souvent, on est comme... On est sur le quai, il y a des gens qui se noient, puis nous autres, on est assis sur nos chaises, puis on est là, puis on parle de natation, puis là, il y a du monde qui se noie, là. On dit, ouais, nous, notre mission, c'est d'aller sauver des gens, de nager, puis là, du monde, nous, on jase, puis là, on chante. Jésus, je nagerai. On parle d'eau, on parle de natation, on parle de... Il y a plein de gens qui se noient, mais là, nous autres, on est là, là puis là, on lit des livres sur la natation, puis on s'encourage, puis on dit, ouais, notre mission, c'est de sauver du monde, puis pendant ce temps-là, il y a plein de monde qui se noie. À un moment donné, quelqu'un va venir nous voir, va dire hey, « allume, saute à l'eau. » Saute à l'eau. Puis la réalité, souvent, en tant que croyant, parce que ça commence par nous-mêmes, on était sauvés pour sauver des gens. Puis, vous savez, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Puis je vous le dis, moi, là, ça m'angoisse parce que je me dis présentement, il faut qu'on fasse tellement mieux ce qu'on fait. Je vais y revenir. Mais ce n'est pas une grande suggestion, ça s'appelle la grande commission. On en parle, on en parle, on en parle, on en parle. Puis si on veut continuer, si on veut continuer de voir Dieu se manifester dans notre Église, on doit être une Église non pas centrée sur notre confort, mais sur les besoins.
Si t'es avec moi, dis « Amen, s'il te plaît. » Et regardez, versets 20 à 24, j'ai presque terminé. Moïse leur dit, « Si vous faites cela, c'est-à-dire si vous êtes motivés par les besoins, ces hommes, cette tribu-là réalisait qu'il y avait, dans le peuple de Dieu, regardez, là, il y avait des gens qui avaient plein de besoins, il y avait des gens à l'extérieur, puis ils se disaient, « OK, oui, on ne va pas rester dans notre confort, on va prendre soin, on va se battre, on va faire quelque chose. » Moïse dit, « Si vous faites cela, si vous prenez les armes devant le Seigneur pour le combat, si vous prenez toutes les armes pour passer le Jourdain devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il ait dépossédé ses ennemis devant lui, si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant le Seigneur, vous serez quitte envers le Seigneur et envers Israël, et ce pays sera votre propriété devant le Seigneur. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous aurez péché contre le Seigneur. Sachez alors que votre péché vous retrouvera. Bâtissez donc des villes pour vos familles et des enclos pour votre petit bétail, et faites ce qui est sorti de votre bouche. » Wow! Le réflexe souvent, et là je parle à ceux qui viennent à Laval, une église comme la nôtre, encore une fois, avec au-delà du bâtiment, avec des services, avec ça roule, OK, ça roule notre affaire là. On vient, puis c'est facile de venir, puis on pense à nous. Puis quand on pense, lorsqu'on dit, bon, mais lorsqu'on a commencé Terrebonne, des gens peuvent se dire, est-ce que ça vaut la peine de sacrifier des ressources humaines puis des ressources matérielles pour une autre église à Terrebonne, alors que ces gens-là pourraient venir ici? Ces gens-là pourraient faire une demi-heure de route, puis on n'en parle plus. Et on peut avoir cette réflexion-là de se concentrer sur la bénédiction ici. Mais il y a un principe dans la parole de Dieu qui ne ment pas, et le principe est le suivant. Notre bénédiction ici dépend de notre mission là-bas. Je le répète, il y a du stock là-dedans. Notre bénédiction ici dépend de notre mission là-bas. Notre bénédiction à Laval dépend de notre mission en Moldavie. Notre bénédiction à Laval dépend de notre mission en Haïti. Notre bénédiction à Laval dépend de l'œuvre de Dieu qu'on va faire au Québec. Parce que Dieu ne veut pas, ne nous appelle pas. C'est pas vrai que Dieu va donner toutes ses ressources pour qu'on continue. Puis là, à un moment donné, on se dit, hey, c'est beau. On regarde, puis moi, OK, je parenthèse. On regarde ici à l'Église, on regarde, fait des années, fait 20 ans, on va terminer l'hypothèque dans plusieurs années, dans à peu près 6 ans. On regarde, il y a des choses qu'il faut changer. Moi, une des choses qui me fait, à chaque fois que je viens à l'Église, je suis probablement la personne à l'Église qui est plus dérangée par ça, c'est le stationnement. Le fichu stationnement, ça se dit-tu ça ou c'est vulgaire, fichu? Ça se dit? Le fichu stationnement. Mais, OK, je vais mettre les choses en perspective. Le jour où on le fait, le stationnement, c'est quoi après? Le stationnement me dérange, mais ce qui m'excite, c'est de voir quelqu'un donner sa vie à Jésus. On peut dire, oui, mais là, à un moment donné, on va changer les thermopompes, OK? On va changer les fenêtres, OK? On va tout peinturer, OK? On va tout renouveler, OK? Mais ce n'est pas ça qui nous excite. Ça, c'est nécessaire, mais ce qui nous excite, c'est de faire en sorte que des gens rencontrent le Seigneur Jésus. Et on sait que lorsque tu t'occupes de la mission, Dieu s'occupe de ta bénédiction. Puis il y a un principe, puis je vous dis, on pourrait y revenir, mais j'ai quelques phrases pour toi. La seule manière de rester hors de notre zone de confort est de chercher des zones de combat. C'est pour ça qu'on a commencé Terrebonne. Parce qu'on s'est dit, la seule manière de sortir de notre zone de confort, il faut chercher des zones de combat. Puis là, il y a des gens qui vont se dire, mais est-ce que ça vaut la peine? Voici les mathématiques que moi, en tant que pasteur, je fais dans ma tête. À chaque fois qu'on fait quelque chose pour l'extérieur, il faut souvent se battre, évidemment, parce qu'on est là, puis notre premier réflexe, c'est nous. Mon raisonnement est le suivant. Mieux, écoute-moi bien, là, parce que si tu n'as pas pris ton café, tu vas manquer des perles ce matin. Mieux vaut l'inconfort de la zone de combat que la défaite de la zone de confort. C'est moi qui ai trouvé ça tout seul. Il y a des gens qui pourraient dire, hey, après 40 ans, tu peux-tu nous donner un break? On peut-tu prendre une petite pause? Une église qui cesse de se déployer est une église qui commence à décliner. La meilleure manière de préserver l'héritage de ceux qui nous ont précédés, et je le dis souvent, puis ça se retrouve même dans la biographie de Pasteur Sam, c'est de faire la meilleure église aujourd'hui pour l'avenir. Notre bénédiction ici dépend de notre mission là-bas. Est-ce que tu sais, moi, c'est quoi ma job?
OK, je parle, là, je vulgarise, là, OK? J'ai un appel divin, je suis, OK? J'ai plus qu'une job. Je travaille dans des usines, là, j'ai trop de respect pour le ministère, mais je veux que tu comprennes. Tu sais quoi, ma job? Moi, sais-tu pourquoi Dieu m'établit ici? Puis il pourrait m'établir ailleurs, mais pourquoi Dieu m'appelle ici? Moi, ma job, là, c'est, si on regarde à la lumière, beaucoup plus large que le roulement semaine après semaine. Moi, là, ma job, c'est de m'assurer que l'Église soit encore là dans 40 ans. Qu'elle soit encore prospère, qu'elle fasse encore l'œuvre de Dieu, qu'elle soit encore pertinente et qu'elle grandisse et qu'elle progresse encore, si le Seigneur tarde sa venue. Et je te lance quelque chose comme ça. Le 11 septembre 2016, sois là. Parce qu'on veut rentrer dans une saison de consultation avec l'équipe pastorale, avec les diacres. C'est très, très embryonnaire, mais ce matin, je le mentionne, même si c'est très embryonnaire. Justement, on veut dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour être là encore dans 40 ans? Puis pas juste pour être là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pendant 40 ans, être encore une église vivante qui fait un impact, une différence, pour voir plus loin que le bout de notre nez? Et le 11 septembre 2016, facile à retenir, le 11 septembre, si tu oublies la date, j'aimerais maintenant devant vous présenter quelque chose après avoir consulté notre équipe de leadership. Mais il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur, puis ce 40e me dit, OK, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour être là encore dans 40 ans? Et mon dernier point est, déployons notre tribu pour qu'elle soit là encore dans 40 ans. On regarde ici, c'est intéressant parce que Moïse, puis je ne le lirai pas, mais Moïse va dire, OK, il dit à Josué, si cette tribu-là fait ce qu'elle dit, puis elle s'occupe de la mission, puis elle sort de sa zone de confort, tu vas leur donner ce qui leur revient. Tu vas les bénir. Et quand on connaît l'histoire biblique, on se rend compte que 40 ans plus tard, ils ont été bénis. Ils étaient encore pertinents, ils avaient encore leur place, ils faisaient encore la différence. On avait encore besoin d'eux. Ils étaient encore en première ligne. Puis moi, c'est ce que je veux pour notre Église. C'est ce que je veux pour notre Église. Et vous savez, il y a quelque chose dans l'histoire, il y a des clins d'œil de Dieu qui nous démontrent, qui manifestent c'est quoi l'Église. Vous allez voir, on se rend compte que Pasteur Sam, notre fondateur, un des hommes qui l'a beaucoup, beaucoup marqué, c'était un pasteur, Pasteur Marcel, dans les années 50, les années 60. Pasteur Marcel Favreau, qui était pasteur d'une église, une des premières grandes églises. Puis ça a beaucoup touché Pasteur Sam de voir un pasteur qui, justement, faisait les choses différemment, qui parlait le langage du peuple et qui faisait ça dans un où le Québec était à défricher, puis une église qui faisait la différence, qui avait un impact. Et cet homme-là, Pasteur Marcel Favreau, a eu un grand impact dans la vie de Pasteur Sam. C'est drôle parce que je l'ai vu la semaine passée, ce pasteur-là, aujourd'hui, qui a 94 ans, quelque chose comme ça. Ce que vous ne savez pas, puis il y a un clin d'œil de Dieu là-dedans, puis ça démontre c'est quoi l'œuvre puis l'Église de Dieu, c'est que ce pasteur-là, Marcel Favreau, va avoir un fils. Et ce fils-là va avoir un autre fils. C'est Pasteur Denis qui est ici à l'Église. Et quand ces hommes se sont rencontrés il y a 55 ans, le pasteur Favreau, puis Pasteur Sam ne pouvait pas se douter qu'un jour, Pasteur Sam implanterait une église qui aurait du succès. Puis 40 ans plus tard, dans le comité organisateur de ce 40e, ce serait le petit-fils de Pasteur Marcel qui serait là. Et que 40 ans plus tard, lorsqu'il a vu ce jeune homme-là arriver dans son église, dans cette église que Pasteur Sam était pour implanter, 40 ans plus tard, il y aurait son petit-fils, il y aurait sa petite-fille, il y aurait ses arrière-petits-enfants qui seraient là pour adorer Jésus dans cette église-là. Ça mérite un alléluia, un amen, quelque chose. C'est quoi mon point? Nous n'avons pas hérité d'un bâtiment. Nous avons hérité de l'œuvre de Dieu. Voici mon point. Dans 40 ans, là, si mes calculs sont exacts, en 2056, si le Seigneur tarde sa venue, qu'allons-nous laisser à la génération qui nous suit? Vous savez, il y a 40 ans, il n'y a pas beaucoup de gens. Je pense que ce matin, il n'y a personne qui était là lors de cette première réunion. Puis comme ça, ça s'est transmis. Puis ce soir, je vais parler de la course à relais. Ça s'est transmis. Puis dans 40 ans, il y a peut-être quelqu'un qui est ici. Je ne veux pas te faire de peine, il y a des gens qui ne seront probablement pas là. Je ne sais pas si je vais être là. Tu sais, 40 ans, c'est beaucoup de temps. Peut-être qu'on ne sera pas là. Mais moi, je prie que l'œuvre de Dieu soit encore là. Parce qu'on en a pris soin et qu'on l'a développé au nom de Jésus. Et c'est ça, je
termine avec ceci. Ce qu'on lègue, ce qu'on va léguer, ce n'est pas une foule, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas des méthodes. La seule chose qu'on peut léguer, c'est Jésus. Et c'est pour ça, tout est lié. Quand je dis tout a toujours rapport avec Jésus, c'est parce que j'ai l'intime conviction que c'est la seule chose qui mérite d'être léguée. Puis en même temps, c'est la chose la plus efficace. Alors que ce soir, on va célébrer le passé, aujourd'hui, on veut célèbre le présent, l'avenir. Oh, il y a un petit vox pop qui a été fait il y a quelques semaines. On a posé des questions à des gens, trois questions à des gens qui fréquentent l'Église aujourd'hui. Et je pense que c'est un beau reflet de ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Un an et 45 mois. Depuis 1997, je suis ici. Ça fait à peu près 2 ans et demi. Moi, ça fait une année. Un an, peut-être. Ça fait même pas un an. Depuis 2012. Depuis 6 ans à peu près. Ça fait 9 ans. Ça fait un an et demi. Depuis que je suis né. Moi, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Ça fait maintenant, ça va faire, je crois, cet automne, ça va faire 3 ans. Ça doit faire au moins... Ça fait environ 2 ans. Ça fait 4 ans, ma famille et moi. Depuis le mois de juillet. 10-11 ans. Là, ça fait 4 ans que je suis revenu intensivement. Ça fait au moins 3 ans et demi. Cœur brisé, car toi seul les consolera. De joie ici, le Seigneur il est présent. On sent vraiment le Saint-Esprit. Rencontrer des gens, connaître encore plus Jésus, puis apprendre plus. La première fois, moi, je suis venue au portail, c'était pour me faire baptiser. Et je viens ici pour Jésus, pour louer Jésus. J'aime beaucoup la louange et aussi les prédications. C'est pas plat. J'aime les messages. Les messages sont simples. On peut être nous-mêmes. Le clic est super aussi pour les filles. J'étais ici la première fois et j'aimais beaucoup la réception, tout le monde d'ici. C'est là que tu as choisi l'église de Portland. En fait, c'est l'église qui nous a choisi. Ah, j'aime tout. L'ambiance, la famille, la prédication. C'est familial, les gens, les pasteurs sont disponibles. La femme a accepté le Seigneur ici, donc puis l'implication là, des gens, là, vraiment l'amour. On aime les enseignements, on aime les dimanches matin, on aime, c'est notre place. On sent comme c'est notre famille, puis on vient, le sentiment de communauté, tout le monde est toujours souriant, gentil, puis comme on se sent bien, puis c'est sûr que les enseignements, on a été voir ailleurs, puis c'est très solide ici. Là. Qu'est-ce que j'aime? J'aime les gens, j'aime les prédications, j'aime les enfants. J'aime tout le monde dans le fond, j'aime la grande famille qu'on est ici. Ce que j'aime ici, j'aime premièrement les gens merveilleux. Puis j'aime surtout aussi la qualité des messages et de l'enseignement, ça faut le dire. Il y a une qualité ici au niveau des enseignements qui fait la renommée, je crois, de l'Église. Moi, j'aime l'ambiance et la façon que c'est. Que tout le monde bien sympathique. Puis aussi, j'aime les classes avec tous les enfants, parce que moi, j'ai 2 garçons, ça fait que j'aime bien ça. Les louanges? Je vous dirais la parole dans un premier temps. Donc, le fait que tout est centré sur la parole. Et puis, en plus aussi, la famille. La place réservée aux enfants dans les cultes. Et nos enfants adorent assister. Nos enfants nous demandent de venir. Absolument tout. En plus, j'habite à même pas 2 minutes d'ici. Wow. Hein? Deux. Ma fille, elle a 10 ans, mon fils a 5 ans. Ils ont tellement aimé ça. Et puis, on a aimé le service. Les gens sont dépognés. C'est à l'église catholique, c'était trop pogné. Je trouve que j'évoluais plus. Parce que c'est ça que je connaissais déjà l'église évangélique. Oui, j'aime mon église, j'aime la louange, j'aime Pasteur Gaétan. Okay. Bonne prédication toutes les semaines. J'aime le monde. J'aime les récits, parce que j'ai des fois les amis. Je vais t'avouer que on est comme, c'est comme familial. Une grande famille, tu comprends? Puis, j'aime les échanges, j'aime les gens, j'aime l'ambiance, j'aime les prédications aussi, c'est sûr. J'aime beaucoup la prédication, puis le groupe de louange. Tout a toujours rapport avec Jésus. Toujours avec Jésus. Tout a rapport avec Jésus. Tout, c'est pour Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Ah, tout a toujours rapport avec Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Tout a rapport avec Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus.
Tout oui. a toujours rapport avec Jésus. Et voilà! Tout a toujours rapport avec Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Yeah. Tout a toujours rapport avec Jésus. Yeah. Tout a rapport avec Jésus. Tout a rapport avec Jésus. Tout a rapport avec Christ. Tout a toujours rapport avec Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Yeah. Tout a toujours rapport avec Jésus. Tout a rapport avec Jésus. Je crois que peut-être le slogan du portail, c'est « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Yes!